Oh merde, y'a le... Lance doucement, pas. Bienvenue pour un vidéo test de Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill, pardon, ça Oliver. Silent Hill Homecoming, un jeu créé en 2010, bah, qui est sorti en 2010 tout simplement, et qu'on va tester, un survival horror interdit aux moins de 18 ans. Bon, vous connaissez ça, les petits enfants, regardez pas ça, ça va vous faire peur. Si vous pissez au lit le soir, vous étonnez pas. Alors, je suis avec Oliver Flav, Oliver Plasma, bien sûr, et c'est Fire Flav, une nouvelle vidéo, vous avez sûrement connu Mario Bros 2, et ben maintenant on change de contexte, c'est Silent Hill Homecoming. C'est totalement différent, oui, ouais. Sur une console beaucoup plus récente. Je vais commencer par jeu, parce qu'Oliver ne connaît pas beaucoup la PlayStation 3, on va faire une nouvelle partie de Silent Hill Homecoming. On a déjà fait une partie, on n'était pas rendu très très loin, environ la moitié. Si. Oui, bon. Ben, c'était une bonne partie. Alors on va faire en mode normal parce que je suis nul. Alors la musique, vous voulez de la musique, mesdames et messieurs? Et ben vous allez en avoir. Et ce jeu sur jeuxvideo.com a eu que 12 sur 20. Bon, parce que le jeu est un peu vide pour un jeu de PS3. La PS3 pouvait faire largement mieux, franchement, pour un jeu de 2010. Alors voilà la vidéo d'introduction. En gros, il est dans un espèce d'hôpital. Voilà. On va mettre un peu moins fort parce que c'est pas que ça me fout les boules, mais on va pas m'entendre parler avec ma voix de beau gosse. Et ma voix sexy, comme tu l'as dit sur Resident Evil 4. Ah oui. Ouais. C'est vrai que ta voix sexy est très connue dans le milieu du jeu vidéo. On va vous laisser regarder cette super cinématique. Et pour la deuxième fois, les enfants ne doivent pas regarder. C'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, ouais. Les enfants, regardez surtout pas. Bon. Ça doit pas enchanter maman de vous laver vos draps. Hein. On sait très bien que... Voilà. Et dans ce jeu, on va voir des jolies femmes qui vont vous attaquer avec des couteaux, je crois. Si on arrive jusque là. Hein, oui, oui. Enfin, jolies femmes, elles ont des bandages, oui. Normal. Alors, dans le jeu, les effets spéciaux sont assez bien rendus. On va en voir un, tiens, tout à l'heure. Alors voilà, là, c'est le début, faut se démenoter. C'est Fireflav qui va jouer. Oui, voilà, c'est pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il fout de la bulle, quoi? Ah voilà. Avec mon petit doigt, je fais 3. Bon, c'est un peu comme Resident Evil 4, hein, au début. On peut voir que il y a pas mal de boutons où il faut appuyer au bon moment. Comme croix plusieurs fois au début. Voilà. Mais bon, c'était assez simple. Ça complète un peu le jeu. Ce genre de petit truc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas grave. On va ouvrir une porte. Tiens, il y a un truc à examiner. Bla 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 bla. Voilà. Maintenant, on va ouvrir la porte. Alors, les effets de lumière sont quand même assez bien rendus. Pour une PS3, certes, les graphismes sont pas énormes, mais c'est plutôt correct. Vachement correct. Le détail
Au niveau du détail, c'est assez bien rendu. Bon, je trouve quand même que jeuxvideo.com a été vraiment un Ils ont peu exagéré sévère. au niveau de ouais, Un peu stress. sévère. Et le jeu est souvent stressant. Voilà. Alors là, on va voir son petit frère qui fait des dessins. Son petit frère qui ne va pas être normal. Vous allez le voir On tout de essaye suite. d'ouvrir, mais ça s'ouvre pas. Est-ce que c'est moi qui est con ou c'est Alex? J'en sais rien. Alors là, c'est un tableau, faut que vous ayez mis un truc. Là. Alors, comme on connaît le jeu, on va le faire rapide. J'en connais, moi je l'ai fait qu'une fois, les Oui, mais on gars. avait fait un bon bout du jeu. Bon là c'est 6-2-4 je crois. 6-2-4. Oui. Il y avait un autre code quelque part ailleurs. Alors c'est là que vous allez voir un effet spécial totalement renversant. Alors Eh oui, parce voilà. qu'on peut voir. Bon, bah, faut pas le Non, dire. faut pas le dire. Vous aurez la surprise. Ah merde, ça le fait pas. C'est après. C'est peut-être là. Non. C'est après quand on réussit à trouver un indice, sans doute. Il faut déjà trouver un truc. Non, là on est déjà passé. Ah oui, merde. Alors regardez, ça c'est l'inventaire, on n'a encore rien. Alors l'objectif c'est s'échapper de l'hôpital militaire. Alors le menu, vous allez le voir tout à l'heure. Si on a l'occasion de le voir un peu plus complet, là il n'est pas très complet encore. Alors la gérance, comment gérer les collisions? Bah, les collisions sont pas trop bien gérées. Il y a pas mal de bugs. Bon, Tiens, bah là on peut pas passer. ça peut pas être pire que Medal of Honor en bataille du Pacifique, c'est sûr. Le Alors voilà, jeu on peut mettre auquel une petite lumière. je trouve qu'il y a plus de bugs du monde. Il y a un Un bébé qui bébé chiale. qui chiale, lui. Alors je vais trouver un On se doudou demande ce qui normalement. passe. Voilà, un doudou, une poupée d'un enfant. Bon, il ressemble à une marionnette, mais Voilà. voilà. Ce jeu n'est pas pervers, je vous le redis, ce jeu n'est pas pervers, il n'y a pas de scène de sexe. Comme dans GTA 4. Attends, on l'a pas fini, hein. Peut-être qu'il y a une scène de sexe à la fin. On n'ira pas Sexé. jusque-là. Bon, j'ai eu une boisson de santé, pardon. Bon, je vais me rendre de l'autre côté. Et voilà, il y a la deuxième partie de l'échographie qui nous donnera le code pour libérer son frère Josh. Qui est un peu handicapé parfois. Faut l'avouer. Et aussi souvent il pisse dans sa couverture quand il est en train de dormir. Donc Ne dites pas ce que vous n'avez jamais vu, Oliver. parce que c'était trop noir pour lui, donc son grand frère lui a donné une lampe torche Mais vous dites toute pour qu'il puisse l'histoire. voir. Fermez un peu votre grand clapet. Alors, le problème, c'est que l'inventaire, je sais plus comment il marche. Alors je vais donner un peu la manette à Oliver Plasma. Il va vous montrer un peu son talent. Talent, Un je super ne talent. joue très peu à ce jeu. En plus, je Oui, l'ai pas. c'est un adepte plutôt de la GameCube, oui, parfois du PC, Eh oui. mais il ne joue pratiquement jamais à la PS3 tout simplement parce qu'il n'en a pas. C'est trop cher pour lui. Non, Non. je déconne. C'est une petite blague. Alors vous Et allez là, on peut-être va voir peut-être voir. les effets spéciaux. Oh! Et ça surprend un peu, même si on connaît. Hein. L'effet Bon, spéciaux. par contre, il y a un Bon, les petit jambes sont bug. pas très bien rendues. Mais c'est quand même bien rendu au niveau de l'action. De l'action. Bon. Et là, on se demande ce que c'est. Ce mec ne s'en est pas sorti. Bon, sans doute, hein. Allez, on le voit comme ça. Quand on a une tête accrochée à une jambe. Quelque chose est inscrit sur la surface de la radio. C'est tout. Alors là, faut que tu utilises l'autre partie de ton radiographie. Faut que tu ailles dans le menu. Dans le menu. Dans Fait Start. Voilà, journal. Ah, c'est comme ça. Journal. Journal. Alors, descend. Non, c'est pas le Non, journal. si, c'est journal. Si. C'est pas journal. Bon, on dirait que c'est bientôt la Alors, fin je de vais... cette Non, 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 vidéo. c'est pas la fin. Il reste 30 secondes. Voilà, il reste 30 secondes. Alors, vous avez Ah. vu un peu comment est la vidéo. On fera qu'une partie de vidéo parce qu'on va pas se faire chier, franchement. Ce jeu est pas énorme. Alors, on va donner une note à ce jeu. Franchement, je donnerais allez, 13 sur 20. Un point de plus que dans jeuxvideo.com parce que c'est un jeu totalement correct. Et si vous y jouez, vous le découvrez.
plus plus